Parce que j'ai pas forcé quoi. Comme non, toi quand t'es en train. Le lendemain tu passes tout seul. T'as une petite impulsion comme ça pour récupérer de l'adhérence au fond du trou et après c'est bon. Bon alors on va voir qu'est-ce que ça donne. Il n'y a même pas l'habitude de la pédale d'embrayage. On va se mettre derrière l'arbre, ouais, je sais pas où là parce que. Ouais, il aime bien ton pote. Ouais, ça va. Ça éclate bien. Ah, tu t'éclates bien super. Carrément. La boss, sur le capot, elle est déjà faite, ça. Ouais, ouais. C'est... Le... Il y avait plein de boss sur le toit, tu vois, qu'on a ressorti en tapant dessus. Mais le capot, on s'est pas occupé encore. Eh ben. L'embrayage il est super dur sur celui-là, c'est hallucinant. T'as peut-être un centimètre de plage pour patiner et tout. Et ben voilà, il a frotté ma voiture contre ce putain d'arbre. Elle a rien. Non, oui. Bah je crois que t'as flotté quelque part là-haut. Non, c'est juste là. Hein, la petite baguette. Ah. Il est dur l'embrayage. Hein. Oh putain. Je vais me péter la gueule du champ. C'est du russe tout ça. Hein. Là, c'est con que c'est pas son truc. Ami ? Enfin, mon pote ? Non, à l'envers d'Ami. Ah oui. Oh, tu parles, elle crierait dès la petite bosse, elle. T'es une sacrée garde au sol quand même. Mmh. Et voilà, nouveau calé. Non. C'est dans le train là. Voilà. Un commentaire sur cette première utilisation ? Oh, c'est pas pareil qu'un endroit. Que pensez-vous de l'embrayage ? Ouais, il accroche pas mal. C'est tout ? Il accroche pas mal ? Ouais, j'ai mal au dos. Ah. J'ai mal au cou. Ah. Problématique, ça. Bon. Voilà, bah c'est bien.